Vidéo, je vais parler des alcanes et de leur nomenclature. Donc, premièrement, j'aimerais vous rappeler que les alcanes sont des hydrocarbures, donc ils sont uniquement faits de carbone et d'hydrogène, qui n'ont euh, aucune liaison double entre les carbones. Leur formule générale va être CnH2N 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le N va correspondre à un chiffre qui représente le nombre de carbones qui peut se retrouver dans ton alcane. Si on regarde cet alcane-ci, cet alcane a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, on peut considérer que son N est égal à 5. Donc, si on fait C égale à 5, donc C5, le nombre d'hydrogènes qu'on devrait avoir devrait être 2N plus 2. Donc 5 fois 2, 10 plus 2, 12 hydrogènes. Donc, si on compte le nombre d'hydrogènes, on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Tous les alcanes suivent ce type de formule-là. Et donc, ils vont toujours, à partir du nombre de carbone et d'hydrogène, tu peux savoir si c'est un alcane, un alcène ou un alcène. Donc, ici, puisque ça suit la règle CNH2N plus 2, tu sais que c'est un alcane. Maintenant, comment est-ce qu'on nomme les alcanes? La nomenclature des alcanes est différente de la nomenclature des composés moléculaires que l'on connaît déjà, même si c'est un composé moléculaire. Puisque c'est une molécule organique, il faut qu'on utilise une, nouveau, une nouvelle type de nomenclature. La nomenclature est basée sur le nombre d'atomes de carbone. Donc, si ce n'est pas n'importe quel atome, c'est le nombre d'atomes de carbone qu'on retrouve dans notre molécule organique. Si l'alcane la si a un carbone, on met le préfixe « net ». S'il en a deux, on met le préfixe « et ». S'il en a trois, c'est propre. S'il en a quatre, c'est but. Et ainsi de suite. Il y a aussi... Les chiffres continuent encore plus, comme par exemple 11, ce serait UNDEC, donc UNDEC. 12, ce serait Do do-dec », Et 13, ce serait tredec et ainsi de suite. Mais maintenant, si on regarde cet alcane linéaire, cet alcane linéaire est linéaire parce qu'il n'a pas de ramification. Une ramification, ce serait un embranchement où tu aurais un troisième carbone attaché à un carbone qui fait déjà deux liaisons entre deux carbones. Donc ici c'est toute une chaîne linéaire. On peut aussi savoir que c'est une chaîne linéaire parce que si on met notre curseur ou notre doigt sur les, les carbones puis on fait juste faire, on essaie de toucher tous les carbones, on peut voir que ça fait juste donner une ligne. Il n'y a pas d'autres carbones qui sortent comme des branches de cette chaîne principale. Donc cette chaîne là c'est notre chaîne principale. La chaîne principale va avoir un, deux. 3, 4, 5 carbones. Et puisqu'elle a 5 carbones, on sait qu'on doit utiliser le, le préfixe pente. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, tous les alcanes vont avoir la même terminaison. Leur terminaison va être AN. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter la terminaison AN au préfixe qui correspond au nombre de carbones dans ton alcane. C'est-à-dire que ta molécule organique ici, ça va être du pente, parce qu'il y en a cinq, et parce que c'est un alcane, parce que ça n'a aucune liaison double entre des carbones, ça va être la, le, la terminaison « an ». Donc, cette molécule organique est du pantane. Je vais vous donner un autre exemple avec celle-ci. Remarquez que j'ai utilisé une différente type de représentation. Le diagramme structural complet ici, puis le diagramme structural linéaire ici, mais on devrait être capable de faire le lien entre les deux et utiliser la même nomenclature. Donc, ici, il faut encore une fois compter le nombre de carbone dans ton alcalinéaire. linéaire. Tu sais que c'est un alcal linéaire parce que tu ne vois pas d'embranchement qui sort de cette chaîne principale. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vois qu'il y en a 6 carbones dans, dans cette molécule. Maintenant, j'ai compté de gauche à droite, mais ce n'est pas très important dans ce scénario-ci. J'aurais pu compter, compter de droite à gauche et j'aurais quand même obtenu 6. Donc, ça ne change pas le nombre. Je sais que cet alcane a 6 carbones, donc le préfixe pour 6, c'est « ex », donc ça va être de « legs », parce que c'est un alcane, ça a la terminaison « an », et donc on va mettre la terminaison « an ». Ça veut dire que cet alcane, c'est de l'hexane.